chez son soutien-gorge. Apporte du quoi, elle? Du A, du B, j'imagine. Viens ici. Ne sois pas gêné. C'est le gros pilier là-bas, là. On fourre ça dans le fond. Je l'ai fait éclater. Ah, ça fait du bien. Il brûle ma queue. Il veut la manger pour le dîner. Non mais cochon. Merci, merci pour ton don, c'est très apprécié. Salut tout le monde, bienvenue dans cette 424e épisode sur ma chaîne Twitch. Alors, je suis content de vous voir en ce mercredi de la semaine. On est en plein milieu de la semaine de travail, donc courage à tout le monde, le week-end s'en vient, on a la moitié de la job de fête. Alors, parlant de job, j'en ai toute une dans ce stream, et c'est ce job qui a commencé depuis il y a une semaine, mercredi passé, c'est-à-dire de compléter un randomizer de Ocarina of Time, et c'est ce que je vais me mettre à faire dans quelques secondes, parce que j'ai vraiment hâte de jouer. Honnêtement, là, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ces randomizers-là, puis à découvrir un jeu que j'ai fini 20 fois, puis le découvrir pour une 21e autre fois, mais tout à l'envers, et c'est vraiment le fun, puis ça teste ses connaissances sur le jeu. Donc, on va tout de suite faire la transition vers le jeu, parce que j'ai hâte de commencer. Je vais m'assurer que vous entendez. Alors, vous devriez entendre la trame sonore du jeu. Alors, je crois qu'on est prêt. On s'y met. Alors, on y va. Donc, on va recommencer de là où on a commencé le seed, en fait. Parce que il y a des places que j'ai pas explorées. Et ça me tente d'aller voir ces places-là. Puis, il y a des places que maintenant que j'ai de l'argent et tout, ben, je peux les faire. Et on va aller faire ça. On va aller à Kakariko Village. Mon objectif aussi, c'est de trouver les éléments clés des trucs à faire. Notamment, je veux trouver Ganon's Castle le plus vite possible. Afin de savoir qu'est-ce que je dois faire pour compléter le jeu. Parce que je ne connais pas tous les requis pour l'instant afin de compléter tout ça. C'est sûr qu'au départ, ça me prend les light arrows, les flèches de lumière, ça me prend de quoi pour tuer Ganon. Les light arrows, ça devrait suffire. Ça me prend ça. Là, il faut que je me rappelle des contrôles. Je pense que c'est F5 pour un save state. On essaie. Ouais, c'est ça. Parce que là, je vais le réutiliser, je vous avertis tout de suite. Oh, c'est grown-ups, donc je change mes infos tout de suite. Shooting Gallery 1, que j'avais noté la dernière fois, c'est Shooting Gallery Adult. Alors, on y va. Je vous avertis, ça va être difficile. Oh, c'est peut-être pas pour adulte, finalement, quoique... Non, je l'ai même pas. En tout cas, bref. Ah, c'est pas évident. J'ai-tu le droit à une flèche? Non, en tout cas, bref, je vais recommencer. Anyway, j'ai déjà gaspillé ma flèche. La manette que j'ai, c'est pas la meilleure pour jouer à ce jeu-là. Oups, excusez. Ah non. Zut. Non, je l'ai même pas. Ou juste que je tire ça, que je l'ai. Je pense que c'est bon. Ouais. Ça donne quoi? Oh, bon. J'en profite pas comme je pourrais en profiter. Alors, cette place-là, c'est faite. Je le note. Donc, donne. Y a-t-il d'autres choses que je pouvais faire ici? Gravekeeper, Treasure Box Shop. Je n'ai pas quitté par la sortie qui mène vers la montagne. Donc on va aller faire ça. On va trouver où est-ce que ça nous amène.
Qu'est-ce que ça amène, ça? Donc, Oh! Ok, cool. On a trouvé une autre loupe, une façon plus facile de circuler. Donc, Kakariko Village vers la montagne amène à Hyrule Field Market. Donc, voilà. Où je devrais... Ouais, c'est ça. Vers, on va dire Castle Town. Parfait. Fait que là, on est de retour à Hyrule Field. Y a-t-il autre chose que je voulais faire? Je regarde mon plan de la dernière fois. Je m'étais déplacé vers Death Mountain Trail après. Y a aussi la possibilité de monter la montagne, mais... je le sais pas, je le sens pas. Bref, en tout cas, on va faire des trucs que je sais qu'on peut faire ici. Il y a notamment une grotte qu'on peut aller vérifier. Je m'en souviens jamais où, là. C'était au pied de l'arbre, je m'en souviens pas. Il semble qu'elle était au pied de l'arbre. Ouais, c'est ça. Une Fairy Fountain. Ok, on va le noter. Donc, Hyrule Field. On va dire... Kakariko... Grotto. Je sais pas si ça va être correct. Donc, Fairy's Fountain Done. On ne revient plus ici. Alors, prochaine étape. Là, la dernière fois, je suis entré par Zora River. On va entrer là, voir si ça nous amène quelque part. Où est-ce que ça nous amène ici? Je l'avais-tu fait, ça? Attendez une minute. Voyons. Il me semble que je l'ai faite. Je vais regarder mes notes. Castle Town. Oui, je l'avais faite, ça. OK. Et ça nous amène au Temple of Time. Ça nous amène à Goron City. Donc, on va continuer exactement là où je vous avais laissé la dernière fois. Ici. Donc ici, il y a quelques trucs qu'on peut faire. Il y a notamment le Goron qu'on peut arrêter sa roulade. Il est pas loin. Ah oui, je peux ouvrir le chemin vers le gros Goron là-bas. Non, je l'ai raté. Non, on reprend notre save. Allez, viens ici. Ouais! Voilà. Ok. Il va pleurer. Part de Gorons. Il me donne quoi? Un cœur! Ben, Recovery Heart. Parfait. Hop. Bon, on va aller pour la forme ouvrir ça, même si ça prend 200 rupees. Mais quoi qu'il y a un Gossip Stone derrière, donc ça va pouvoir nous donner un indice. J'ai même pas regardé le bingo. Des choses qu'on a. En tout cas, j'ai rien pour l'instant. Ok, donc toi, qu'est-ce que t'as pour nous? A treasure throne by Princess Zelda is a green rupee. Ouais, on s'en fout. Oh, un item.
Les bombes. Toi, t'as quoi pour nous? J'ai pas d'argent. C'est vrai, il y a les pots qui peuvent donner des affaires. Faut pas oublier ça. Ah, regardez, des pots ici. Oh, un school tout là. Et 7. Whoopie. Et un autre whoopie. Faut pas que j'oublie les pots, hein. Très important. Il y en a même en bas, là. Faut pas que j'oublie ceux dans la chambre de Darunia, là. Ok. On va aller faire la pièce qui... La pièce, on peut faire sauter des trucs. Connais le chemin. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! Oh, un truc! Un rupee! Fire Temple. Oh, ça c'était très important ça. Fire Temple. Zelda Lullaby. Je pense que c'est une des chansons les plus importantes à savoir dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est dommage, je gaspille tout cet argent-là. Parce que j'ai atteint la limite de ma bourse. Bon, là, il y a un coffre en arrière. Il y a de quoi en arrière, mais je peux pas y aller. Tant que j'ai pas le Megaton Hammer. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il a à nous donner, lui. Le fameux school tout là. Faut que je tombe en bas. Ça, c'est le défi. Que ça vient d'arriver. Alors, on recommence. Je pense que ça va être plus facile si on va au centre. On n'a pas de tournant à faire au niveau de la corde. On va en ligne comme il faut. Oh! Oh, une piece of art! Ça, je vais aller la chercher. Ça va être un peu compliqué, mais... On va aller le chercher. Parce que c'est un truc de bingo d'ailleurs. En ligne. Go! Ouais! Voilà. Ok, donc One Piece of Art, c'est fait. Avant d'aller plus loin, je veux trouver des pots comme ça. Truc. Faut vraiment que je fasse tous les couloirs, hein. On arrive de là, là y a rien. Là, j'arrive d'ici. Y a un couloir que j'ai pas fait. J'ai fait. Des fois, on va quand même se promener. Des fois, il pourrait avoir un pot ou. Un vase quelconque que j'oublierai là, mais comme ils peuvent donner des items, on va regarder partout. C'est là que je voulais voir. Ok, j'ai pas le truc pour y aller. On arrive en haut et il y a un truc que j'ai pas fait. Premièrement, il y a trois sorties ici. On va aller vérifier où ça amène après. Non, mais je suis pas passé par là. Ouais, c'est bon. Ça, c'est... Ça a été fait. En fait, c'est ça. Je suis pas passé ici. Et ça donnait...
finalement des pots pas importants. Fait qu'on va aller en bas. On se sauvegarde, puis on vérifie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, oh, la maison des poules. OK, c'est la maison de Talon. Goron City Shop. Ah, il y a peut-être des, il y a peut-être des pots en haut. Faut tellement que j'aille revoir. Voilà, c'est noté. On va enlever la souris. Une cachée. Juste parce qu'il peut y avoir un vase en haut, on va aller voir. Ouais, je vous l'avais dit, il y en a. C'est important de vérifier. Oh, OK. Il y a rien d'autre. Mais par contre, il faut faire le jeu ici quand on est enfant, là, avec les poules. J'ai pas... techniquement, j'ai pas fini d'explorer cette place. Ça peut encore donner des trucs. Ok, d'autres pots. Recovery heart. Pas très intéressant. Oh. Des bombes. Et est-ce que je peux tirer ça? Ah, oui, je peux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, on arrive à... Haunted Wasteland, ça c'est la sortie qui mène à Desert Colossus. Donc Goron City d'Arunia amène à Haunted Wasteland, la sortie qui mène à Desert Colossus. Il n'y a rien à faire par là. J'aime la musique, elle fit. Alright, on y va. Oh, excusez, mauvais sens. Ok, fait que là, il reste à sortir par l'entrée principale de la ville. Et ça se trouve à être par là. Donc, comment s'est passée votre journée aujourd'hui? Moi, ça s'est bien passé. J'étais assez productif à ma job. Moi, j'ai une fin de semaine de 4 jours. Une fin de semaine de 4 jours, ça se prend bien. En fait, c'est parce que je m'en vais à une convention. Pour le voyagement. Puis surtout que ma copine Moonita a une table. Et je dois lui parler avec ça. So, hello, Loki. You don't want me to mine? Well, don't do it again. Otherwise, I might have to silence you for some time. So, how was your day? Oh, je peux... Marche-tu, ça? Oh, j'ai trouvé un exploit, je pense. Goron City. Ça va être intéressant, ça. Goron City... on va dire l'entrée principale, ça amène à Gerudo's Fortress. Vers le Wasteland. Et là, le garde, il m'a arrêté, mais là, je peux aller dans la forteresse. Ça veut dire que... est-ce que je me risque à aller dans la ville? C'est une bonne idée. Dans la forteresse, en fait. J'ai rien pour tuer les persos. OK, donc ça, c'est... Lost Woods. Donc, Gerudo Fortress, l'entrée principale vers Gerudo Valley, mène à Lost Woods. Et là, je me rappelle jamais du côté
Je crois que c'est le côté vers Hyrule Field qui vient faire ça ici. Donc, Lost Woods vers la forêt, vers Kokiri, ça mène à Zora's Fountain. Oh, OK. Il y a un donjon accessible par là, là en ce moment. Donc, ça se peut que je le fasse. Zora's Fountain. Main entrance. C'est bon. En fait, on va dire que ça va vers le domaine. OK, ici, il y a des pots, si je me rappelle bien. Il y a des trucs comme ça que je peux faire. Je vais juste faire de quoi, OK? Donnez-moi deux secondes. Je vais juste faire quelque chose. Chat settings. Settings, essayons ça. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça a-tu marché? Ça. En tout cas, c'est pas grave. OK. Fait que là, ici, il y a un item sur la plateforme de glace là-bas. Ah, c'est un Green Rupee. Bon, on va aller le chercher. Si j'étais en race, là, comme avec un speedrun, j'irais pas le chercher, mais bon, j'aime ça, nettoyer les cartes quand je les vois. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, on va aller explorer Ice Cavern. Ben, en tout cas, ce sera pas Ice Cavern, mais du moins, à moins que ce soit Vanille. Mais on va aller voir qu'est-ce que ça contient, cette place. Je suis dans la pire place où je pourrais embarquer là-dessus, alors... OK. Je vais juste donner... juste faire un truc... pas bien long. All right. OK. Déku Tree. OK. Hey, je peux le faire en plus. Cool. Donc, on va faire Zora's Fountain vers la caverne. Ça amène à Déku Tree. C'est un donjon que je peux faire. Puis c'est le format, normal, c'est pas Master Quest. Alors, on aime ça. Ben, les deux, je les aime, là, mais j'ai une préférence pour, les donjons normaux parce que je les connais. C'est mon premier bâton en plus. On va faire une petite collection de décunotes. J'ai l'impression que ça va m'être utile. Pourquoi il n'y a plus de musique? C'est creepy tout d'un coup. C'est des freestanding items. Ah, ben ça donne... Je savais pas que ça pouvait aussi donner des trucs. Est-ce que c'est random? Parce qu'il n'y a clairement pas 5 rupees comme ça qui traînent, là. Donc, voilà. Bon, la musique reprend, mais c'est parce qu'il y a des ennemis. Un autre 5 rupees. Il y a un thème dans ce temple. Je vais-tu pouvoir revenir sur mes pas, par contre? Oh, oui. Non, hein? Faut vraiment que j'y retourne. J'ai rien pour y retourner, hein?
Peut-être qu'une bombe, je ne sais pas. Non. Faut absolument que j'ai un bouclier ici. Et je peux pas m'en aller. Ok, ben on va faire un reset. Ouais. Donc on se fait un reset et on retourne au début du temple. Je pense que ça va nous ramener dans le temple directement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va se risquer, on va monter en haut en évitant les Skulltula. Et voilà, donc là on va se. Ça va être un petit peu de gossage, mais ça se fait. Avec des safe states, c'est toujours plus facile. J'aurais pu en pré-tuer avec les bombes, là, mais bon. J'ai fait pire dans mon dernier stream dans le Forest Temple. C'est quoi cette musique-là? C'est la musique de Zora's Domain. Et pourquoi? Okay. Ah, c'est la musique du temple qui revient. Je pense que c'est ça. Ok, je vais-tu pouvoir revenir sur mes pas? J'ai rien pour transmettre la torche, donc c'est clair que je peux pas sortir d'ici. Je peux pas prendre de bâton quand on est adulte. De moins, ouais, c'est ça. Hein? Non, je peux pas, c'est ça. Ok. Sinon, il y a un autre truc à faire là. Il y a un beau Skulltula et un coffre. Un cœur? Ben, un piece of heart. 9 tokens. J'ai pas grand chose en ce début de stream. En ce début de seed aussi. Fait que là, je peux pas m'en aller. Alors, ma seule avenue, c'est de faire un reset. J'ai-tu fait un save tantôt? Mais anyway, il y avait rien d'important. Hein. Faut pas que j'oublie de faire des saves. Hein. Donc, des save stage, je pense pas que ça compte quand on fait des resets de jeu. Donc, faut que je fasse vraiment attention. Fait que là, on va remonter en haut. Là, on va. On va casser la toile de notre chat. Qu'est-ce qu'on a eu, toi? Alors. Ouais. Ok, là on a des choses à faire. Ok.
juste un roupie. Un autre roupie. C'est donc bien. Voilà. Là, je peux pas y aller. J'ai pas de truc pour faire du feu. Par contre, je crois que je peux envoyer une bombe en haut, là. Pour tuer le... Pour tuer le Skulltu, là. Ça va nécessiter que j'ai l'autre bord. Ouais, comme ça. Oh, un recovery art. Yay. On va aller le chercher juste pour pas qu'il traîne. Ouais. Là, je peux pas y aller. Hey, mais ça veut dire que je peux pas retourner là en tant qu'enfant. Parce que Ice Cavern n'est pas accessible lorsque on est ben, à Zora's Fountain. Alors, je dois forcément... S'il y a des trucs à faire en tant qu'adulte ici, je dois le faire en tant qu'adulte ce temps. Donc, je vais devoir potentiellement revenir lorsque j'aurai de quoi pour faire du feu, soit Din's Fire ou les Fire Arrows. Mais pour l'instant, il n'y a plus rien que je peux faire ici. Ouais, c'est ça, il n'y a plus rien. Donc, on va s'en aller. On va faire un reset et on sort d'ici. Ok. Alors voilà. On sort. Et là... Je vérifie mes notes. Lost Woods. Ben, je pense que je vais être pris ici. En fait, la façon de m'en sortir... c'est-tu moins long de faire un reset? Ouais, je pense que c'est moins long de faire un reset. Donc, on va faire un reset. On va revenir à notre spawn original au début. Parce que là, mon autre approche, ce serait de faire Hyrule Field. J'ai une façon très facile de m'y rendre à partir du début. Oh. Voilà. Oui. Et en sortant là, est-ce que je retourne à Hyrule Field tout de suite ou je m'en vais explorer d'autres choses? J'ai envie d'aller au sommet de la montagne Death Mountain Trail. Pour ça, je vais devoir quitter par ici. Complètement la sortie à l'envers de ce que ce serait dans le jeu de base. On inverse les deux sorties, en fait. OK. Voilà. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a au sommet. Je prendrai du dommage de l'éruption volcanique, c'est pas grave. Yep. Mon but, c'est d'explorer le monde, trouver où se trouve Ganon's Castle. Une de mes priorités. Ok, et c'est parti! Ah ben, c'est ça, quand on est adulte, les roches sont évitables. C'est quand on est enfant que t'as toujours une roche qui s'en vient sur toi à un certain intervalle. Mais là, c'est très facilement évitable. Bon, là, je vais devoir dealer avec ça. Mais...
Tiens, on va se faciliter la vie un petit peu. Ouais. Ok. Alright. Ocarina of Time teaches bombs. On s'en fout. Si c'est un truc difficile, chiant, whatever, là je le noterai pour dire ok, là, fais pas ça parce que tu sais que c'est pas bon, mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! Des vaches! Ok. On va noter ça. Donc, Death Mountain Trail vers la Fairy's Fountain amène au silo, là. Lon Silo, c'est comme ça que je l'appelle. Le silo à grains avec des vaches. Et il y a un item pour nous qui nous attend. Quand j'aurai la Epona Song, je pourrai revenir ici, faire chanter faire la mélodie aux vaches et elle donnerait un item. Ah, ils ont-tu fixé ça? Ah, je pense que quand t'es enfant, tu peux tirer, mais pas quand t'es adulte. Il faut vraiment que tu emmènes ça au bout, puis ensuite, tu peux tirer. Ouais, c'est ça, il est... Hein? Ah non, faut vraiment être enfant? Ah, mais attendez une minute, non, j'ai une meilleure façon que ça. Non, je peux pousser ça plus. Si je peux. Ah ouais, on va trouver un moyen. Pas parce qu'on est grand qu'on n'a pas de façon. Là, ben on tire ça. Ah non, c'est vrai, je peux pas. Voyons. Ça, il faut que je sois enfant pour rentrer dans le trou. Donc c'est vrai, je peux rien faire ici. Peux-tu voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, oh, c'est juste un recovery art. Ah, ok. Mais par contre, des vaches pourraient donner quelque chose. Ça, c'est possible. Alors, on s'en va. Prochaine étape, on va là. Bon, le cratère emmène à Hyrule Field. Ok. Donc, les trucs s'entrechoquent, là, c'est bien. Donc, Death Mountain Trail. Le cratère emmène à Hyrule Field, le ranch. Ok, cool. Tant qu'à être ici, il y a une grotte là-bas, à côté du château. Vous pouvez aller voir, tant qu'à être à côté. Il va y avoir un fantôme. Non? Ok. Go. Oh. Ok. Donc ça, c'est le fameux truc Grotto with one chest not done que j'entre dans mes notes. Hyrule Field, on va dire Market Grotto, amène à ça. Ok, donc, a ravaged village mourns with bombs. Okay. 20 rupees. Hey, j'essaie de quoi? Est-ce que je peux casser des ruches d'abeilles avec des bombes? Oui. Je viens d'apprendre de quoi. Là, il y a peut-être plein de places que j'ai pas pu. Il y a des items dans des ruches d'abeilles et je viens d'apprendre que ça se casse.
Oh, là, par contre, faut que je maîtrise la technique. Ouais, ok. Mais celle-là, on peut dire que c'est done parce que... Ouais, elle est done, celle-là. Ça veut dire que toutes les grottes à une à un coffre comme ça, là, je peux tous y retourner puis voir si... Ah, ok. Ah non, ok. Ah, ça va être plate, par contre. Mais bon, je vais aller faire plus... Là, je ferai pas de grinding en faisant ça en ce moment, mais si je m'en vais à une place puis je le sais qu'il y a ça, je vais aller vérifier. Mais là, j'irai pas. Je retournerai pas sur mes pas tout de suite de cette façon-là. Yep. Je vais regarder mon plan. Donc, Hyrule Field. La rivière mène à Lost Woods. Y avait-tu des trucs qu'on pouvait explorer à Lost Woods? Le crater s'est fait. Je pense qu'on a tout fait ce qui se fait là-bas. On va continuer ici. De trouver quelque chose. Là-bas, je sais qu'il y a des grottes. Alors, on va y aller. Une grotte, je pense. Il va falloir que je check mon... Je regarde mon stock de bombes, God! La grotte de la Royal Family avec des re-dead. Ok. Alright, donc on va faire ça. Mais là, est-ce que je peux faire de quoi ici? Je pense que non. Je vais vérifier, mais je pense que ça prend l'ocarina pour ça. Donc, on va dire c'est Northwest Grotto Royal Family Tomb. Pourquoi je peux faire grand chose ici? J'ai rien pour faire du feu. Je suis pas mal sûr que je peux rien faire. Je peux pas faire de feu. Par contre, je dois tuer ça pour ouvrir la porte. Ouais, là ça va débarrer la porte. Ça fit tellement pas la musique. Bon, ok. Bonjour les amis. Je me save parce que... Ah, ça fait rien. Peux-tu l'attaquer? Ça me tente d'en tuer un reader. Ouais, c'est ça. Mettez-moi la paix pendant un moment. C'est bien, j'ai une épée au moins. Ouais, ça me... Ça pour un rupee. Okay. Fait que c'est pas fini. Est-ce qu'ils ont respawn? Oui, le re-dead a respawn. Me tente pas d'affronter ça. Voilà. Le truc, c'est de s'aligner, faire une jump attack. Et voilà. Ok. Fait que là, je suis en train de manquer un... Ben, il reste encore des places à aller voir, là. Mais... il reste pas tant de places que ça. Mais quand même, on va se promener. On va trouver des trucs.
J'ai pas été encore à Lake Hylia et Gerudo Valley, donc peut-être que ça va révéler quelque chose. Alright, donc, prochaine étape. On va aller à Gerudo Valley. Et aussi, je pense qu'il y a une grotte que je peux casser peut-être avec des bombes. Non, je peux rien faire là. Dans ce cas-ci, on va à Gerudo Valley. Nous amène, toi. Kokiri Forest. Ok, ça, c'est une bonne trouvaille, ça. Donc, Hyrule Field. Valley. On va dire, je vais appeler ça Gerudo, c'est plus clair pour moi. Ça amène à Kokiri Forest, l'entrée vers vers Lost Woods. Ok, c'est bon, ça. Ça, c'est une bonne découverte. Il y a plein de maisons ici, mais il y a aussi des ennemis. Parce qu'on n'a pas libéré la forêt. On va faire les maisons. Donc ça, c'est la maison de Mido. Il amène à... Le stable. OK. Donc, Kokiri Forest. Voyons. Forest, Mido amène aux écuries, donc stable. Et quand on est adulte, il n'y a rien à faire ici, sauf qu'il y a des vaches. Et j'ai pas la chanson pour faire quoi que ce soit avec ça. Alors on reviendra une autre fois. Ça, c'est la maison des Know-It-All. Ça se peut qu'il y ait des Skulltula à s'occuper ici quand c'est la nuit. Oh, un autre Great Fairy Fountain, donc on note. Je vous avertis, je vais mettre souvent le jeu en pause pour noter des trucs. Know It All. Ça amène à Great Fairy Fountain. C'est laquelle? La combienième que je trouve? C'est la troisième. La troisième. Ok, next. Je vais faire la maison de Link. Ça se peut que je doive revenir ici la nuit. Oh, c'est quoi ça ici? Et par contre, il y a des trucs. Je pense que c'est la maison de la Back Alley, en fait. Donc, je vais l'appeler Back Alley. Comment on peut appeler ça? C'est une maison qui sert à rien. Useless House, on va l'appeler de même. Donc, Lynx. Lynx. Juste Lynx. c'est Useless House. En fait, c'est Useless... Dakali House. On va utiliser des initiales. Ok. Maintenant, on continue. Ça, c'est la maison de Saria. Maison de Saria qui mène à... Ah, la maison de... Oh, mais il y a une chanson ici. Oh, OK, ça, c'est intéressant. Ça se peut, je le note. Ça, c'est la maison de Impa, en fait. Donc, Kokiri Forest, Saria, mène à Impa's House. Puis, je vais noter à côté qu'il y a une...
une chanson ici. Donc, dans la maison de Impa. Il y a même une, derrière une vache. Donc, je vais... Donc, voyons. Epona, sang. Je pourrais faire une pierre de goût. Et on s'en va. Ouais, c'est ça. J'ai pas de hookshot. J'ai rien pour aller m'occuper de ça. Ok. Oh, c'est intéressant. DQ stick, green rupee, piece of art. Ok. On va noter ça. Donc, le bazar. C'est le... Je sais pas si je le note bien. Bazar. Kokiri. Ça, ici, on a le piece of art pour 190 rupees. Je le note si jamais je veux l'acheter. Le reste, c'est pas important. Non, je veux pas acheter ça. Ok. Ok. Next. Le shop ici. Ah, je l'ai même pas noté. Excusez-moi. Oh! C'était l'entrée en arrière. Et j'ai Epona Song. Il manque juste l'ocarina. Ok, cool. Kokiri Forest. Le shop amène à la maison de Impa dans le trou du mur. Puis l'autre, c'était par... L'autre entrée, c'était par... L'autre issue, c'était par la porte principale. Puis là, la maison que j'ai de faire, je vérifie, je pense que c'est Kid Bazaar. Hein? Donc, Twins, la maison des Twins emmène à Kid Bazaar. Donc, Bazaar Kid. Est-ce que j'ai trouvé le bazar pour adultes? Je vérifie dans mes notes. Non, je ne l'ai pas trouvé. Good. Ok, next. Il y a une maison que j'ai pas faite là-bas. Non, je l'ai faite celle-là. C'est la maison de Mido. Je l'ai faite. Ok, fait que là, j'ai deux avenues possibles. Je vais aller voir où est-ce que le temple amène. Bon, je me ferai un chemin. Aïe. C'est vrai, j'ai rien pour me défendre. J'ai pas de bouclier. C'est le danger. C'est vrai, sur les côtés, puis surtout en arrière, il y a des Gossip Stones avec des indices possibles. On va aller voir ça. Ok, Deku-Tree, il n'y a rien d'important. Donc, ça justifie peut-être pourquoi c'est... Tu peux seulement le faire quand t'es adulte parce que tu peux pas faire grand chose. C'est pas ça que je voulais noter. C'est foolish. Decutui. Par contre, je ne sais pas si foolish veut dire. Je pense que tu peux avoir des pieces of art, des trucs, mais tu trouveras rien pour compléter ton seed, ton aventure. En fait. C'est plus ça qui je pense qu'il veut dire par là. Là, j'oublie toujours comment on monte là. Parce qu'il y a une pierre tombale derrière. Mais je pense qu'on peut y accéder par ici. Je peux réussir à monter. Ça. Ouais, comme ça. On va faire le tour. Encore. Une autre fois.
OK. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Zora's Fountain is on the way of the hero. OK. Ça, je le note. Il y a quelque chose là ou dans mon dans le chemin qui pour terminer le jeu qui nécessite que je passe là. Je sais pas si ça veut dire si c'est si un item ou si c'est parce que il y a quelque chose qui est là ou que je dois absolument passer par là pour terminer le jeu. OK, donc Decutree, qu'est-ce que tu nous réserves? Dodongo's Cavern. Oh, hey, ben, je vais le faire. J'ai 8 bombes. Je sais pas si ça va être assez. Donc, Kokiri Forest 3 amène à Dodongo's Cavern. Parfait. Là, j'ai pas de le Goron Bracelet, donc je peux pas lever les Bomb Flower. Hein. Donc ça, je dois faire attention. Mais il est tellement plus agréable à faire quand t'es adulte. Il y a des trucs que tu peux faire plus facilement quand t'es un peu plus grand. Un enfant. Il y a un coffre là. Oups. Il y a un coffre là-bas là. Tu peux juste comme t'accrocher au bord puis y aller. C'est celui-là ici. En fait, non, c'est pas un coffre. Ça déborde l'autre coffre. L'autre bord. Mais oui, c'est vrai, c'est dans en Master Quest que c'est différent. Donc là, je dois utiliser mes bombes avec soin. Mask of Truth. Oh, OK. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon à noter. Donc, le truc des masques, là, avec les Decutree, là, si tu montes... Oh non, excusez. Je me mêle. Est-ce que ça veut dire que c'est la récompense, le Mask of Truth? Donne un slingshot dans la quête des masques. Et c'est quand même important. Ça. Très important. OK, qu'est-ce que je dois faire? Un coffre là-bas, il me semble. Faut que je revienne là, mais on va faire tout ce que je peux avant d'aller plus loin. Off. Un rupee. Oh. Est-ce qu'il donne-tu un bouclier, lui? Un item mystérieux pour 22 rupees. Bon, au moins, je vais pouvoir gagner du cash. OK, donc, là, on va aller faire l'autre côté. OK, donc, on utilise nos bombes avec soin. J'espère pas en manquer. Je vais probablement en manquer, mais ce serait le fun que... tombe sur de quoi qu'il m'en donne. Oh, il y a des... C'est quoi ça? Oh, j'ai le... Je peux maintenant utiliser de la magie! Bon, ça. J'avais le Big Magic Meter, on aurait un bingo. Ben, une case de bingo de cocher. Maintenant. Ouais, j'aimerais ça. Oh, j'aimerais ça utiliser les Dodongo pour me faire aller plus loin. Oh, j'ai Kojiro! Donc, j'ai un item du Trading Quest. Là. Item Trade Quest, comme on appelle. Good.
bien cool tout là en plus. Futur. Oh yes, en un coup. Équinote. Ça c'est fait. Il y a un Skulltula que je peux pas aller chercher parce que ça prend la chanson de l'épouvantail. Et il me manque une Ocarina pour la faire. Oh, d'autres pots qui peuvent donner des items, on aime ça. Oh, qu'est-ce que t'as pour moi? Oh! Faror's Wind! Ouh! Ben, c'est pas très utile, mais bon, c'est le fun d'avoir un premier item de la soirée. Vraiment. T'as pas appelé ça un item? Ben, quoi que j'ai eu le Magic Meter, ça se prend très bien. Quoi, la toune de boss? Y'en a pas? Ah, c'est la chanson thème de Zelda, Ocarina of Time. Oh, il y a même des items. Ouais. Oh, merci pour le cœur. Yes. Pendant que je les tue, moi je récolte les items. Ah. Et on va se faire mal pour un roupie. Voilà. N'oublie pas. N'oublie pas de coffre, rien. Okay. Il me reste seulement 3 bombes. Oui. 22 items pour... 22 rupees pour un recovery off. Rien d'autre. Donc go avec des... Un small key pour le Water Temple. Oh, des bombes! Ça, c'est merveilleux. C'est ce qu'il me fallait. Voilà, je pourrais pas allumer les torches, mais de toute manière, ça fait juste m'envoyer à la sortie de tantôt, si je me trompe pas, que je pouvais monter avec moi en étant adulte. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Là, mon souci, c'est de vérifier que j'ai pas oublié des vases à terre, des pots. C'est bon. Ouais, c'est ça. Amène-moi. On fait un petit reset. Là, le tracker il dit que j'ai tous les items, mais non, c'est pas vrai. Parce que j'ai pas chargé ma partie. Et voilà, là c'est bon. Ok, fait que là on va aller de l'autre côté. C'est un temple que je peux compléter parce que j'ai l'item pour le faire, si je me trompe pas. Ça se peut que ça me manque un truc pour, oui c'est vrai, pour tirer des yeux là, pour... Y a un endroit dans le temple où c'est important. Sinon...
pense que c'est là que ça va bloquer. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Une clé pour le Water Temple. Ok, pas ski. Puis y'a-t-il autre chose? Y'a rien d'autre ici. Okay. On va monter plus haut. Tant que les bombes sont présentes dans mon inventaire, je peux continuer. Salut Niena, t'es occupé, tu passes me saluer. Tu reviens plus tard si tu peux. Ben oui, mais merci Niena de m'avoir salué, c'est très apprécié. Et en espérant te revoir plus tard, donc yep, à tantôt. Moi je finis à 21h, comme d'habitude. Une clé! Fire Temple! Cool! C'est assez tranquille comme stream ce soir. Là, je viens d'avoir mes premiers items dans les dernières 10-15 minutes. Alors, on est fébrile. Et qu'est-ce que t'as pour moi, toi? Un rupee. On va tuer ça. C'est vraiment le fun que les pots peuvent donner des items, c'est bien. Les boîtes aussi. Ça amène du renouveau dans un randomizer que j'ai déjà terminé plusieurs fois. Tire ici, toi. Oh, ça. J'ai jamais essayé ça contre un Keys. Ça fonctionne. Est-ce qu'il vient m'attaquer après? Non, même pas. Ok, là ici, ça va être. C'est le fun de faire ça en tant qu'adulte. Là, il y a un freestanding item derrière ça de mémoire. Et c'est un cœur, ça n'a pas changé. Donc, coffre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On est rendu à 11 tokens. Oh, il y a des trucs intéressants là-bas. J'ai envie d'explorer ici avant d'aller un peu trop loin, un peu plus loin. Parce que je pense que je vais être bloqué plus loin. C'est pour ça que je prends un petit peu plus mon temps ici. Donne-moi des bombes, s'il te plaît. Ah, oh, non. Oh! T'avais quoi pour moi? ₹56, c'était mieux de me donner de quoi de bon, toi. You were fool. Ah, non. Je reprends mon save si ça demande plus que ₹43, l'autre. Ouais, c'est ça, fuck this. On va faire l'autre. Une clé. Oh, ça c'est très bon. Pas vrai que je vais te donner mon argent pour me faire geler. Ok.
là, non, je peux pas. Faut que je le fasse. Je fasse le tour. À moins que. Non. Ouais, c'est ça, je peux pas aller plus loin à cause de ça. J'ai rien pour lancer, de quoi sur l'œil. Ok, bon, on va clore nos affaires ici. Un 12e token. Okay, donc je peux pas aller plus loin. Ok, puis là, je peux pas y aller parce que j'arrive par en haut ici. Ok, donc je crois que j'ai terminé. Fait qu'on va se sauvegarder, puis on va aussi. Voyons, faire un reset. Sortir d'ici. Parce que j'avais pas fini d'explorer Kokiri Forest tantôt. Il y a quelques sorties que j'ai. La sortie du principal du village, je n'y ai pas été tantôt. On va aller faire ça. Bon, là, faut que je passe là-dedans. Aïe. Okay. Il y a pas de Skulltula ici. Je peux pas l'atteindre. J'oublie ça. Faudrait pas non des bombes ou de l'argent. Mes petits checks là, parce que je peux rien faire d'autre. Il y a une pierre, une gossip stone que j'ai pas fait, que j'ai pas vu. Je vais aller la voir. Là, il y a une grotte où ça prend la. Je pense le Song of Storms. Je sais pas si ça prend une bombe. Non, c'est ça, c'est Song of Storms. Ou si elle est devant ici, je m'en rappelle pas. DQ Stick can be found, ça, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est. Je vais aller voir derrière cette maison-là. Quand on est enfant, il y a un Skulltula derrière. Mais je me trompe peut-être. Peut-être quand on est adulte. Non, c'est ça, c'est quand on est enfant. Oh! Zora's Domain? Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est un truc qu'on peut passer à travers la glace ici. Donc, Kokiri Forest vers l'entrée principale amène à Zora's Fountain, la plongée, le trou dans l'eau. Ok, fait qu'ici, encore une fois, plusieurs chemins possibles. Là, ça va prendre du Blue Fire, j'en ai pas. Oh, il y a des. Oh, une clé. Ah, c'est un clé de fou. I'm a fool. ok. Il y en a d'autres. Des bombes shoes. Oh. Un school to the token. Du cash. Donc, en haut, il y a une pierre, une gossip stone. Il y a King Zora qui va bloquer le passage. Oh non, ils l'ont débloqué. Ok, ça c'est agréable. C'est très agréable. Donc, je vais vérifier ça.
Ok, important. Que Old Tokens 30, ça donne un Gerudo Training Ground Small I. Parfait. Donc là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière King Zora. C'est bien, il bloque pas le chemin. Avec son boink, boink. Oh, ça met nous ça. Lake Ilia. Oh, on a trouvé une loupe. Là, par contre, c'est-tu une bonne idée d'aller là? Zoras Fontaine. J'ai noté Zoras Fontaine tantôt, c'est Zoras Domain. Donc, Zoras Domain vers vers la fontaine. Ça amène à Lake Ilia par le raccourci. Lake Ilia par le raccourci. Voilà, on a trouvé d'autres chemins pour se déplacer. Mais là, j'aimerais ça revenir où j'étais. C'est quoi le meilleur chemin pour aller à Zora Domain? Kokiri Forest. Il faut que je passe à Hyrule Field via Gerudo Valley. Parce qu'il y a un autre chemin là que j'ai pas investigué encore. On va miner un petit peu. Trouver des bombes, du cash. Voilà. Donc ça, ça va m'emmener... Je vérifie mes notes. Le laboratory, c'est là où j'arrive. Le field... Ça, ça va m'emmener à Kakariko Village. Et à Kakariko Village, si je sors par... Si je sors Kakariko Village par la montagne, ça m'amène à Hyrule Field. Et à partir d'Hyrule Field, je peux retourner à Zora's Domain. Ben, à... Ouais, c'est ça, à Kokiri Forest, qui lui m'amène à Zora's Domain. Ok, donc on va aller voir les Gerudo. Il y a Lake Ilia que j'ai pas été encore. Du moins la sortie vers Lake Ilia à partir d'Hyrule Field. En arrière, ça va plus vite. Il y a plusieurs items que je sais où ils se trouvent. Les hover boots, les iron boots, je pense savoir où est-ce qu'ils se trouvent aussi. Oh, la musique! Hey, c'est presque vanille! Ah, j'ai l'air cette musique-là en plus. Okay. Donc là, on est de retour à Zora's Domain. On va aller... J'oublie toujours ça prend une bombe ou des... Ouais, c'est ça, ça prend... Song of Storms pour ouvrir ça. Ok, donc ça emmène nous ça. Oh! Ok, cool. Ça, c'est bien. Ok, donc... Zora's Domain vers la rivière... Ça amène au jardin du temple, on va l'appeler de même. Temple Entrance. Vers la sortie de Market.
entrée de market. Donc, des indices. When the moon hits terminal like a big pizza pie, that's game over. Ouais. Deep in the wasteland is a recovery heart. On s'en fout. A storm in the valley reveals a chest found by Sun Song. Ok. Pas sûr de comprendre. A storm in the valley. Storm in the valley. Irido Valley? Hot Haunted Wasteland? Pas sûr de comprendre. Ok. Dodongo, ça on s'en fout. Ok. On rentre là. Où est-ce que ça nous amène le temple? Ah! Ok. Le Kojiro. Là, il faut que je pense. Kojiro, là, je pourrais le donner. Je pourrais retourner à Lost Woods et le donner à la personne. On va noter ça. Donc, Temple Entrance vers le temple, ça amène Old Hag, Potion Shop. Et voilà. Ok. Quoi d'autre qu'on peut faire? J'ai toujours pas été voir Lake Hylia. Donc c'est un truc que je pourrais faire. On peut faire ça. Notre refill de bombes et tout beaucoup dans ce site. Hey, faut pas que j'oublie là, sur mon chemin, tant qu'à être là, là. On va juste revenir un petit peu en arrière. Hey, j'ai une idée, ok? Sur mon chemin, je sais qu'il y a des... il y a des grottes avec un coffre et des ruches d'abeilles. Tant qu'à naviguer beaucoup, là, on va essayer de les on va essayer de nettoyer ces endroits-là. Enquête là. Comme ça, je vais pouvoir marquer qu'elles sont terminées ces grottes là. Donc, qui sait, on va peut-être trouver de quoi de très utile. Oui. Ok. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, une carte! Non, c'est un DQ Shield! Ok, cool. Hey, je pense que j'ai trouvé un pattern. Quand les ruches bougent, comme celle-là puis l'autre d'avant, je crois que ça indique qu'il y a quelque chose dans ces ruches-là comme item. On va voir si c'est vrai.
C'est un rupee colorié comme si c'était un item. Alors, je crois que j'ai raison dans ce que j'ai dit. Et donc, ça, c'est fait. Donne. On va noter ça. Donc, j'ai bien fait de venir. Ça donne un bouclier. Plus ou moins utile, mais quand même. Quand même un bouclier, mais pour enfants seulement. Et on continue. Je vérifie dans mon plan, là. Le Carco Village, j'en ai aussi de ces grottes-là, si je me rappelle bien. C'est les bombes que je veux. Les bombes, c'est la vie en ce moment. Ok, Kakariko Village, est-ce qu'il y a de ces grottes-là que je peux faire? La grotte d'en arrière, oui. Ça, c'en est une. En arrière, là-bas, là. En arrière des maisons. Cet endroit-là, c'est une de ces grottes-là. Où il y a des ruches d'abeilles. Que j'ai appris dans ce stream qu'on peut les faire tomber avec des bombes. Ok, autre chose. Note. Comme là, les deux bougent. Je veux dire qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a un item. Recovery art. Ok, donc ça c'est fait. Kakariko Village, Back Grotto. Je peux mettre ça à Done. Bon. J'en ai un autre de même. Dead Mountain Crater, Top Grotto. Oui, ben, je vais le faire. Écoute-le. Je vois des grottes comme ça, faciles à aller voir, là. Rapide. C'est fait. J'ai toujours pas mis les pieds à Zora's River. Ganon's Castle non plus. J'ai pas mis les pieds à House of Skulltula aussi. Plusieurs places que j'ai pas trouvées encore. Forest Temple, j'ai pas eu de clé, hein. Ouais, c'est ça, j'ai pas de clé. Je suis bloqué dans ma progression par l'absence de clé. Top Grotto, il y a une de ces fameuses grottes. Ah non! Wait. Les notes sont-elles bonnes? Ah! Excusez, oui, c'est le Death Mountain Crater, pas Death Mountain Trail. Ouais, ok. Puis comment je m'y rends? Lost Woods. Ok, c'est bon. Je sais comment m'y rendre. Oh, c'est pas loin. On va rentrer par Goron City. Si vous avez besoin d'argent, mettez une bombe en plein milieu de ces roches-là.
faites sauter ça, puis vous avez au moins 30 rupees facilement. C'est 3 rupees par roche. C'est vrai, je peux donner Kojiro ici. Hey, c'est fou. On fait ça, ok? On va aller donner Kojiro. Ouais, je passe à côté. Pratique. Donc, Kojiro... Ouais, il va être là. Ouais, ben là, il n'y a pas de timer. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas avoir de timer de 3 minutes pour les item trade quest, là. Avec le fait que c'est random. Donc, Goron City s'emmène à... C'est vers Kokiri Forest que je dois aller. Ouais, c'est ça. C'est Kokiri Forest. Kokiri Forest m'amène à... Ici. Là, il y a une grotte. C'est là que je vais aller. Voilà. Equinox. Sérieux, je pense que toutes les ruches d'abeilles donnent quelque chose dans ces grottes-là. Juste que c'est pas des bons systèmes. Ben, j'ai eu le Deku Shield. Tout ce que j'ai eu pour l'instant d'utile. Je pense une clé. Que c'est ça. Donc, Lost Woods, Meadow, Grotto. Grotto amène à un autre de ces coffres-là. Un autre de ces grottes-là, je veux dire. Comment je m'y rends? Market. Faut que je me rende à Market. Comment je me rends à Market? Il faut que je sorte par Goron City. Il va m'emmener à Market, Drawbridge. Et à partir d'ici, c'est Market Castle. Ouais, c'est bon. Market Castle. Bonjour les Redead. Market Castle, ça m'amène là. Et ensuite, je passe par l'entrée de Zora's River qui, elle, va m'emmener à Lost Woods. L'entrée de Sacred Forest Meadow. Heureusement que j'ai des notes, hein. C'est super crucial à cet endroit-là du jeu. Surtout quand tout est random. Et puis là, la Meadow Grotto. Amène à un autre de ces grottes. Oh! 50 rupees, mais ça sert à rien. Et un autre 5 rupees, ça sert à rien. Donc on va noter ça. Grumbo with bombable walls, not done. Ouais, je l'ai fait, pis c'est. Je veux juste aller voir de quoi tant qu'à être là. Est-ce qu'il y a des ruches? Moi, je pense que j'ai tout fait dans la. Il y a une grotte pas loin, là, je vous la montre. Elle est en bas ici. Je me suis trompé, non, c'est là. Ouais, c'est ça. Il y a une grotte ici.
je l'ai fait, ça. Je suis convaincu que j'ai tout fait ça. Ouais. Ah, je pense qu'il y a un item que j'ai pas pu avoir, mais c'est genre un. Ça donne un rupee, là. C'est. Je peux considérer que c'est fait. À moins qu'il y ait une ruche d'abeilles inatteignable, je vais marquer ça comme étant complété. Ouais, c'est ça. C'est fait. Je vais juste voir peut-être des bombes. Ouais, ça, j'en prends tout le temps, des bombes. Anytime, anytime. Ok, donc ça, c'est fait. Une autre grotte de même, one chest. Ben, je les ai tous faites. Les grottes avec un coffre de même, là, et des ruches d'abeilles. J'ai tout fait ce que j'ai trouvé. OK. Fait que là, on va revenir à notre objectif que j'avais tantôt, c'est-à-dire de se rendre à Hyrule Field, qui... OK. Donc, il faut que je retourne à la sortie de Sacred Forest Meadow. Ça va nous amener à Hyrule Field vers la sortie qui mène à Zora's River. Et là, on va enfin aller voir qu'est-ce qu'il y a à la sortie qui mène à Lake Hylia, mais qui ne sera pas Lake Hylia. Bien sûr, on va faire tous les trucs en chemin. Pas grand-chose. Il y a peut-être une grotte ou deux. Ben, il y a une grotte à Lake Hylia. On va aller la faire. Quoi de pas loin ici? Cherche un trou dans le sol. Ah, une bonne roche. Une roche là-bas. Oui. Oh. Et je note ça. C'était la grotte du sud-ouest, on va l'appeler de même. Donc, Hyrule Field, Southwest. Oui, Southwest Grotto. Ou Southeast. En tout cas, on verra en sortant. Grotto with two scrubs. Je vais vérifier de quoi. Scrubs, oui, c'est ça. Okay, donc, on va vous tuer. 15 rupees, t'es mieux de me donner de quoi de bon. Arc. $12, hey, vous payez pas cher. Le slingshot! Attendez, j'ai pris des notes tantôt. Pourquoi il disait le Mask of Truth yields the slingshot? Mais ça n'a rien à voir avec le Mask of Truth ici tantôt. En tout cas, c'est un indice bizarre que j'ai eu. Tantôt d'une Gossip Stone. Ben ouais, on a le slingshot. Excellent. Juste qu'il faut être enfant pour l'utiliser. Ouais, finalement, c'était Southeast. C'était pas Southwest. Puis j'ai complété cette place-là, donc je n'ai plus à retourner ici. Allez, on nettoie la zone. J'ai besoin de cash. Bon, là, il y a deux grottes, si je me rappelle bien, près de l'entrée de Lake Hylia. On va aller les faire. Maudit fantôme. Woo!
La première. Oh, ok, cool. Donc, Hyrule Field. Comment je vais appeler ça? Là, c'est Southwest Grotto. Une grotte avec 3 scrubs. Là, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour tout acheter? Ça se peut que j'utilise des safe states pour gagner du temps. Bon, on va pacifier la zone. Et on se sauvegarde, puis on leur parle un tour de rôle. Hey, vous chargez tellement pas cher. Nice rupees! Pour en avoir 5. Alors, on va t'oublier. 56 rupees pour donner 1 rupee. puis reste-toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? 74! J'espère que tu vaux la peine. Ouais, ok, ça on le garde. Les autres, ce que vous donnez, ça vaut pas de la mort. Oh, hey, j'ai vu de quoi. Oh my god! Il y a des ruches d'abeilles là-dedans! J'ai voulu voir une ruche d'abeilles dans le coin de mon regard. Je pense pas qu'une bombe... donc c'est pas terminé ici. Ah, je peux pas marquer ça comme étant terminé. Attendez, j'ai peut-être une idée un peu folle pour l'atteindre. Si je peux pas avec une bombe normale, on va utiliser les bombes choux. Je pense pas que ça va fonctionner avec une bombe normale. Non. J'ai une idée un petit peu folle. On va prendre ça et on va l'utiliser. Je m'enligne bien. Oh boy. Ok. On va... Trajectoire est-tu bonne au moins? Ok, elle était bonne. Il faut juste que... Je l'envoie au bon moment. Je pense que c'est bon ça. Non, un petit peu court. Un petit peu long en fait. Ouais. Oh, tout ça pour un rupee. Ok, est-ce que j'ai... Il y en a d'autres là, de ces secrets-là difficiles à trouver? Facilement, manquable en fait. Je pense que c'est bon. Plus rien. Donc je peux marquer ça comme étant complété. Je n'ai plus à revenir ici. Bon. J'ai besoin d'argent au cas que je trouve d'autres DQ Scrubs. Ici, il y a une grotte. Ça se peut que je l'ai faite. Je n'ai pas souvenir d'être sorti par là. Je pense que. Bonjour. Ah, ça prend Sunsong. J'essaie de quoi, ok? Une idée, ça va fonctionner. Aucune idée, ça va fonctionner. I'm gonna try it. Ouais, ok, non, ça prend pas Sunsong. Un rupee. Toute cette peur pour un rupee. Y a pas de... de truc caché ici. Là. Des maudites ruches d'abeilles. Donc, c'est fait. Donc, Hyrule Field. Aelia Grotto, on va l'appeler de même. Donc, Grotto, Redead Grotto Done. Autre truc de compléter. Yo, on va aller là. Enfin, elle est là.
Mon verre est vide. Oh, yes! Ça, c'est bon. Oh! Un heart container! Ok, je le note par contre qu'on est. Ça passe par là. Donc, Hyrule Field vers. Voyons. Lake Hylia. Amène à Death Mountain Crater vers Goron City. On va l'appeler de même. Ou juste Goron. T'es. Je vais me reconnaître dans mes noms. Ok, ben il y a pas grand chose de plus que je peux faire. Ça prend le marteau. Je vais juste faire de quoi. Essayer de casser ça avec des bombes, on sait jamais. Non, je pense pas que ça va prendre le hammer ici. Non, c'est ça. Ok. Ben là, je suis en train de me demander. Je suis en train de manquer de place où aller, là. Ça se peut que je doive devenir enfant, là, pour aller faire des affaires. Réfléchis à ça en ce moment. Ok. La question c'est qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est sûr que je pourrais continuer la quête des items. C'est une bonne idée pour être bien honnête avec vous. Temple Entrance, ça s'atteint par Zora's Domain. Zora's Domain, je l'atteins par Kokiri Forest. Et. Kokiri Forest, c'est par l'entrée des Gerudo, donc on va aller là. On va avancer cette quest. Mais je suis en train vraiment de considérer, honnêtement, de devenir enfant. À moins qu'il y ait une place que j'ai vraiment oubliée. Bon, je revérifie mes notes. J'ai pas trouvé l'entrée de Gerudo Valley encore. Nizoras River. Est-ce que je suis rentré par Market? Le pont cassé tantôt? Je crois que oui. Je vérifie mes notes. Je pense que je suis pas passé par Market tantôt. Moi, ça vaut la peine d'aller voir. C'est le seul endroit, je pense, que j'ai pas atteint. Zora's Domain vers River. On va aller faire l'item que j'ai pour le item trade quest, mais je vais essayer de m'en sortir. Je veux pas faire ça là, parce que ça va être long. Pour potentiellement rien, puis juste un rupee. On le sait pas, hein. Ça peut arriver. Je retourne à Lost Woods, mais je vérifie mes notes. Hyrule Field. Je pense que c'est vraiment la seule place où j'ai pas essayé d'entrer. Market, non, j'ai pas passé par là. Je
Donc, Zora's Domain vers... j'ai plusieurs entrées. Donc, Lake Hylia, ça va me ramener... Je pense à mon affaire. Je pense que je suis mieux de faire un reset. Parce que les tout me retourne vers Lake Hylia, en fait. Bon, allons par là. J'ai besoin de cash et de bombes. Ok, à partir de Kakariko, je sors par là. Ça va m'emmener à Hyrule Field. Et... Ah non, c'est vrai, ok, je vais... Ça me ramenait... ça me ramène là. Castle Town, c'est bon, le, vers le... Donc, j'ai fait ce que je... Que je voulais vérifier. Bon, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Gerudo's Fortress, honnêtement, je l'ai pas trop traité tantôt. J'aurais pu... à rentrer dans les maisons un peu. On va faire ça. Je veux retarder le plus possible le changement d'âge à devenir enfant. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vérifie comment on s'y rend déjà. Goron City. Comment je me rends à Goron City? Je vérifie mes notes. Goron City, c'est le Castle Town Drawbridge qui t'y amène. Et ça, c'est Hyrule Field via Kakariko qui t'amène à la période, à la zone de transition entre Hyrule Field et Market. Oui. Est-ce que les décunotes, ça fonctionne sur les gardes? Pose des questions. Allons-y. Goron City. Je sors par la sortie. L'entrée principale, en fait. Ouais, c'est ça. Lui va... Ben, elle, en fait, va me ramener au début de la zone. Là, ben, on va essayer de s'infiltrer. Ça va être drôle. Ça. Oh, il y a des boîtes, puis des. Oh, il y a plein de poules. C'est une bonne idée d'être venu ici. Oh, la Goron Tunic. Parfait. Ah, c'est pas la Zora Tunic, malheureusement. Oh, une chanson, Sun Song.
Oh, c'était bon de venir ici. On va... Hey, j'ai une tenue noire. J'ai Dark Link, mais... Gâche. Ouais, c'est une bonne idée de venir ici. Bon, là, Flore, j'affronte celle qui me tue. J'ai rien pour me protéger. J'ai rien. On va attendre qu'elle fasse sa grosse attaque. Voilà. Et là, elle donne pas de clé. Je peux pas t'aider. Je peux pas te sortir d'ici, mon ami. J'oublie tout le temps. Est-ce que ça prend Song? Je pense que ça prend Song of Storms. Ouais, c'est ça. Oh boy. Oh, il y a des affaires ici. Oh. Un bâton. Boy, il faut pas que les gardes me voient. Un recovery art en ça. Ok. Donc là, j'étais à un étage. Il y a elle. On va attendre qu'elle se tasse. D'autres coffres et autre chose. Oh yes. C'est une loterie à chaque fois. Un token. Cœur. Il y en a plein. Un autre token. Ok. Ouais, je sais, je t'ai vu. Avant d'aller plus loin. D'autres. Non. Ok, fait que là, on va tuer l'autre. Oh. La bête. Ah ouais, fais ton attaque. Ah ouais. Oh 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 yes, ça c'est bon. Le Goron Bracelet, donc quand je vais être enfant et même quand je vais être adulte, je peux soulever des bombes flowers, mais en fait, c'est pas très utile. Je me rends compte de ça parce que j'ai les bombes. Alors, bon, en tout cas, ça fait. Ça donne un item. Ça donne un item. Ok. Puis là, on continue. Il n'en reste pas beaucoup que je peux faire. Quoique, il y a une porte que j'ai pas pu aller. Ouais, c'est ici. Ah, oh, le comble de la chose. Oh. Oh, que je l'ai tué à l'épée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, il y a des affaires en plein milieu. Je peux-tu les tuer à l'épée? De toute façon que j'arrive en ninja, là. Ça marche pas. Elle le sait, hein. Regardez-moi ça. Non, ça fonctionne pas. Ah, puis il y a même d'autres trucs. Ah, ça, ce serait cruel. Un item requis pour ma progression se trouve là.
Oui, ça fonctionne. Oh, mais là, elle va me voir. OK, donc il y a trois gardes. Alors que j'ai en mode ninja, ça a de l'air. Alors, je vais me faire voir. J'ai une épée, je pourrais les affronter. Je suis leur chef avec là, un cimetière. Donc. Aïe aïe aïe. Ouais, je t'ai eu. Faut y aller étape par étape, ok. Y a elle. On va la buter. Hein, ça a pas fonctionné? Oh! Les Silver Gauntlets! Cool! On va aller se cacher. Très bon, très bon. Dead. Vraiment, j'ai bien fait de venir ici. Il en reste une. You're dead. Ok, ça c'est le recovery art que j'ai pas pris tantôt. Ok. Un autre. Ok, puis là il y a ça. Là il y a plusieurs options que je peux faire. Je peux aller vérifier. Je pourrais pas la voir, mais je peux vérifier plusieurs affaires ici. Donc, tout d'abord le sculpture, qu'est-ce qu'il donne? Donne-toi. Ok, 20 rupees, c'est pas grave. Je peux t'éviter. Ensuite, il y a un autre truc que je veux faire, c'est aller là. Pas en haut ici. Ouais. Mais par contre, je peux pas aller plus loin. Ça va prendre le hookshot ou quelque chose. Il y a un coffre là-bas. Mais c'est clair que je ne peux pas l'atteindre. Sinon, je peux aller là. Là, c'est la dernière étape. Là, il y en a une ou deux. Et là, ok. Je crois qu'elle va me voir. Oh, il fait du breathing. Et voilà. Des bombes. Bon, il y en a pas une de cachée qui va surgir de nulle part. Je pense qu'on est correct. Ok. C'est bon. Fait qu'en reste une à tuer. Je pense que j'en ai oublié une quelque part là, mais il y a un tournant que j'ai fait puis que j'ai pas. Là je le trouve parce que ça va me gosser. La salle est petite. Token. Je suis quasiment rendu à 20. C'est 19. Ok, il y en a un que j'ai pas fait, mais je sais pas lequel.
Si je peux terminer, si je peux trouver cette fameuse, ce fameux endroit-là avant la fin de mon stream, je vais finir avec ça. Avoir la tête en paix puis dire, ben, j'ai pas à revenir ici. Donc, on va juste checker un petit peu. L'ai-tu fait, ça? Non, je l'ai pas fait. Ouais, c'est ça. Puis y'a rien d'autre là-dedans. Je pense que c'est le dernier. Non. La misère avec la caméra. Pourquoi tu veux pas? Non. 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 Ah, non. Link. Non. Ok. Bon, là, là, on est en contrôle. Voilà. Ok, good. Ben, je pense que j'ai complété la place, en fait. Je pense qu'il y en avait 5. J'en ai tué 4 ou 5. Non, je suis pas mal sûr que j'ai tout fait. Ok, donc, ben voilà. Je pense que je vais arrêter là-dessus, moi. Je sauvegarde. Un safe state, tout est bon. Donc, ben voilà, c'est notre progrès de ce soir. Qu'est-ce qu'on a eu? Faire un petit recap. On a eu des bomb shoes, notre premier ensemble de bomb shoes. On a eu le slingshot, un item Kojiro dans le item trade quest. On a eu Faror's Wind. On a eu la chanson d'Epona. On a eu la chanson d'Epona, Epona Song, Sun Song. On a eu les Silver Gauntlets, un Deku Shield, Goron Tunic, le Magic Meter. Et c'est pas mal ça. Nos premiers Deku Sticks, c'est vrai. Puis plusieurs. J'ai eu un Heart Container, j'ai eu des Pieces of Art, et voilà. Donc, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de Gold de Skulltula Token. On est rendu. J'en avais 6. Avant le début du stream, on est maintenant à 19. Alors, voilà. Donc, ça conclut le stream de ce soir. J'ai encore une fois eu beaucoup de plaisir, même s'il n'y avait personne, à vous montrer ça. Puis, j'aime beaucoup faire des randomizers de Zelda. C'est le fun de faire avec un public, peu importe le nombre de personnes qu'il y a. Donc, voilà, ça conclut le tout. Là, je pense que ça fait 3 fois que je dis que ça conclut le tout. Là, je vais le faire pour de vrai. Donc, on se voit mercredi prochain, tout le monde. Samedi, je ne ferai pas de stream. Je vais être à Nadeshikon, alors je ne pourrai pas en faire. Alors, on se revoit lundi prochain pour un stream crafting, suivi dans une semaine, jour pour jour, un nouveau stream de Ocarina of Time Randomizer. Donc, salut tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine.